On a mangue. La tanière du lion, c'est quoi? C'est le respect de ceux qui ont écrit l'affaire là, qui dérange pourtant les autres. On appelle ça l'histoire. Aujourd'hui, le président fondateur de la tanière est devant un homme qui a écrit l'histoire. Le maître des dribbles. Quand tu venais, il te mettait un petit pont, il est parti. T'es nom banaï. Leia et Yumchal. Petit nom. Bichou. Petit nom. Sloblar. Le premier joueur camerounais. Ballon de bronze africain. En 1971. N'est-ce pas, tu n'étais pas encore né? Et si tu jouais même au football? Je vous présente alors Leia. Ouais. Bichou, d'abord, tu es en deuil. Merci. On te dit nos condoléances n'est plus attristées. Nous sommes avec toi. Mais nous sommes fiers aussi de te voir en santé. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, n'est-ce pas, qui te marque un peu quand tu étais encore en activité? Oui, par exemple, quand on jouait contre le Caïman à Coupe du Cameroun, oui. J'avais mon artère égo, Mikombo. Mikombo dit François. Mikombo dit François qui. Que tout le monde l'appelait, je me souviens tellement que tout le monde l'appelait Madame Bichou. Madame Bichou. Donc voilà la règle, oui. Que je pouvais dire. Il y en a plein que j'oublie. Oui, mais on veut savoir aussi quelque chose. Les abonnés de la tanière connaissent le football. Mais sûrement les anecdotes de Léa et nous, on va encore vous dire. En 72, lorsque vous avez perdu les demi-finales, il y avait donc un match de classement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le match de classement, on devait jouer contre le Congo. Le Congo. Oui. Et ce match-là, au départ, on avait dit qu'on ne pouvait pas jouer. Qu'on ne pouvait plus rentrer dans ce stade-là parce qu'on nous avait molestés, oui, pour les deux finales. Et alors, le vice-président de l'époque, Salomon Tandemouna, oui, est venu nous voir là où on était en disant que vous avez dit que vous ne voulez pas jouer. Oui. Ok, ne jouez pas. Mais le président de la République sera au stade, oui, lui-même. Et il a donné le stade gratuit. Oui. Donc, si vous ne jouez pas, c'est votre problème. Oui. Mais lui sera là. Ah, c'est là, c'est à ce moment-là, tout le monde prenait déjà ses godasses en disant, le grand bâton là, il sera au stade. Et puis nous, on dit qu'on ne joue pas. On va aller jouer. Et on a joué le match. On a gagné 5-2. Les auditeurs de la tanière, vous écoutez? Ça, c'est le maître, Léa et Mchal. Il est historique, il est galactique. Mais aussi, en demi-finale, on joue un match amical contre le Congo. On a gagné 7 buts. 7-1. 7-1. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en demi-finale? Pourquoi est-ce qu'on a perdu ce match? On n'a pas compris. Nous-mêmes, on était dépassés. Parce qu'on ne comprenait pas. Quand on a tiré le sort, on nous a donné le Congo. Nous, c'est une mauvaise préparation. On s'est dit que non, nous sommes déjà en finale. Alors, on n'a pas encore joué, mais on était déjà en finale parce que le Congo ne pouvait pas jouer contre nous. Vraiment, intrinsèquement, le Congo ne pouvait pas jouer contre nous. Mais malheureusement, le Congo nous a battus 1-0. On a tout fait. Tout fait pour au moins égaliser, aller aux prolongations. Et le 1-0 est resté de la 26e minute jusqu'à la fin. Et j'avais aussi, on a appris qu'il y a votre capitaine, n'est-ce pas, Emmanuel, il est tombé évanoui au stade. Lorsqu'il était à l'hôpital, il est encore tombé évanoui lorsqu'il a appris que vous avez battu. Est-ce que vous avez dit c'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, ça c'est l'anecdote, il a terminé le match, il n'y a pas eu ça. C'est là où VA eu mal, c'était au Zaïr, en coupe olympique. Oui. C'est là où un policier lui a tapé le... La matraque sur la tête, l'arbitre exagérait, on refusait de jouer, il nous obligeait d'aller. C'est là où il est tombé, mais en dehors de ça, la Coupe d'Afrique, à 72, la fin du match normalement sans problème. Et vous savez, dans la tanière, vous avez l'une des plus belles équipes, n'est-ce pas, du Cameroun, n'est-ce pas, à cette époque-là. Intrinsèquement, on avait la meilleure équipe du Cameroun. Malheureusement, on n'a rien gagné. Oui. Mais quand on prend les joueurs intrinsèques, joueur par joueur, pouce par pouce, avec la meilleure équipe. Depuis le temps jusqu'aujourd'hui, on avait la meilleure équipe. La tanière est donc pour vous dire des vérités.
Des joueurs comme ça, n'est-ce pas, on ne les trouve plus. Il faut se dire la vérité. C'était le maître, Léa et Yumchal, n'est-ce pas? Vous aurez de ces nouvelles parce qu'il y a un livre qui est en cours, n'est-ce pas? Vous aurez des informations. Bijou. Ouais. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Hein? Merci beaucoup. Le Cameroun ne va jamais t'oublier. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci.